Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Donc, je risque de regarder souvent, voilà, parce que j'ai retrouvé l'écran juste là. Je tente de filmer avec mon téléphone. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais essayer avec quelques vidéos comme ça. Est-ce que je suis droite? Parce que j'ai l'impression que mon appareil n'est pas très droit. Mais de toute façon, je vais recevoir un trépied de meilleure qualité tantôt. On est dimanche, hein, mais je le reçois quand même tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors oui, j'ai mis le bonnet. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'image est bonne, le cadrage, la luminosité, le son. J'ai eu des gros problèmes pour régler le son. J'ai acheté un casque pour avoir le micro, puisque j'ai perdu mes écouteurs. Et ça fait... Donc là, je filme sans. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai mon retour écran. Donc, tout ça, logiquement, je vous l'ai déjà expliqué en vlog. Pour ceux qui suivent mes vlogs. Alors, j'ai mis le bonnet parce que flemme de me coiffer. Et qu'on est en automne, que j'adore les bonnets. Et que je trouve ça très stylé. J'ai mis mon t-shirt hibou. Vous ne voyez absolument pas très bien. Mais voilà. Bref. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous affiche les prix à l'écran comme d'habitude. Les chiens sont déchaînés, hein, je suis désolée. On est dimanche, il est 8h du matin, 8h30, et foutent le bordel. J'ai acheté des écouteurs donc en USB type C pour mon téléphone, pour avoir le micro, pour pouvoir filmer. Et je vous dis, quand je branche, ça fait... Donc, je suis dégoûtée. Je ne sais pas si c'est un problème du micro... du casque, ou si c'est un problème avec ma sortie USB justement du téléphone, puisque mon téléphone a quand même maintenant plus d'un an, voire deux, et que j'utilise très régulièrement, donc je suis souvent en train de lui mettre un truc dans le fion pour le charger et compagnie. Voilà, c'est ça qui est chiant avec les nouveaux téléphones, c'est que c'est tout par mini USB, et que ben, c'est un port en fait. C'était mieux quand on avait les prises jack avant pour le casque. Ah bref, j'ai acheté ça, et je peux tout de suite le jeter. Il faut qu'ils viennent jouer dans la chambre, hein, juste à côté. Ah, non, ils viennent carrément dans le bureau. Allez jouer plus loin, en bas de préférence, ou arrêtez de jouer d'ailleurs. Descendez. Je vais venir vous donner à manger après. Allez, descends. Prou, prou. T'es en train de tout faire tomber, ta grosse queue. Je sais pas si vous les voyez, mais... Descends, j'arrive. Je fais ça et je viens. Ah ben, Riley dit, tiens, ça cause que. On est sur un haul, hein, pas sur un truc X. Bon, je vais remettre mon petit XO qui fait limite ho-ho de Noël. Et on continue. Désolé pour le bruit, hein, mais je suis obligée de filmer le haul parce que monsieur a récupéré ses bonbons. On a pris ceci pour les chichous, donc il est assez grand, voilà, pour mettre dans la cage pour qu'ils dorment, vu que c'est de la corde. Je me suis dit qu'ils auraient un peu plus chaud que les petits paniers que je leur prends habituellement. Je ne sais pas s'il y a la taille de noter. 25 cm de diamètre et 14 cm de haut. Donc, maintenant que j'ai plus que deux chichous, à la place de trois, ils auront de la place. Donc je vais aller le remettre dans la cage juste après. Il faut juste que je trouve un système pour l'accrocher dans la cage pour pas qu'il le fasse tomber. Et je vois qu'il y a des petits écarts ici dans l'espèce de cordelette en osier. Donc ça ira très bien. Donc je prends comme ça bien. Je me suis repris enfin une nouvelle pince coupante. Voilà, quand on fait des DIY, la pince coupante est l'une de vos meilleures amies. Et la mienne était totalement émoussée. J'avais vraiment du mal à couper le fil de fer. Donc là, ils sont pas en train d'agoniser, hein, ils jouent. Donc là, je m'en suis repris une. Il y avait des toutes petites aussi, j'ai hésité, mais j'ai repris deux paquets de lingettes nettoyantes. Voilà, je prends celle-ci. J'avais acheté des Dettol la dernière fois parce qu'elles étaient moins chères et je les aime pas. Elles sont beaucoup, beaucoup trop mouillées. Elles moussent même tellement elles sont savonneuses. Moi, je prends ça pour nettoyer la cage. Voilà, surtout le socle en bas ou pour nettoyer un peu l'étagère où ils mettent toutes leurs crasses et tout ça puisque c'est désinfectant en même temps. Il y a 80 lingettes à l'intérieur et elles sont à la senteur citron.
On s'en fout un peu de l'odeur. Alors, il fallait des pochettes en plastique. Des pochettes comme ça pour glisser les feuilles en plastique pour Sam, pour l'école. Là, vous en avez 25 à l'intérieur. format A4, on lui a pris deux paquets, comme ça, ça lui en fait 50. Je ne sais pas exactement combien ce qu'il lui en faut, donc voilà, si on doit aller en chercher. Mais ils se sont un peu pliés, on ne lui dit rien. Chérie, elle a pris son habituel paquet de Senseo, café Palazzo pour la Senseo. Quand tu les êtes, hein. Ouais, c'est bien ça. J'ai repris mes super chips au barbecue. C'est mes chips préférés. Je crois que c'est mes chips préférés tout court. J'en ai pris deux paquets d'ailleurs. Je me suis repris mes fameux Cheetos. Big Cheetos. Ça aussi fait partie de mes chips préférés. J'en ai pris un paquet pour Georges, mais il a déjà bouffé. Alors, chérie, c'est pris des bonbons. Pas plus de bonbons, oui. Ah, il s'est pris deux paquets de café. Ça me faisait chier pour avoir des Skittles, parce que sa copine lui a fait goûter des Skittles. Il me dit oh, c'est poison, c'est cher, mais il y a un box. Donc on lui a pris un paquet, mais pareil, il les a déjà pris et bouffé. Chérie s'est pris des Joe Breaker Xmas Mix Tropical Strawberry sur. Et à l'intérieur, vous avez un chewing gum. Ils ne disent pas combien est-ce qu'il y en a à l'intérieur. Ils ne disent pas par pièce. Et le pro, il est où là-dessus? Il n'y a même pas le poids. Bon, je ne trouve pas le poids, mais voilà, ça ressemble à ça. C'est mon voyage. Il a pris des super brains. Des cerveaux. Ça va peut-être le rendre un peu plus intelligent. Le chef Trolli. Là, il y a 175 grammes à l'intérieur. Regardez, c'est des petits cerveaux. C'est encore dans les trucs d'Halloween, hein. Il a repris les dents de ventre, 200 grammes ici. Et voilà. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que moi, je ne sais absolument pas manger. Alors, j'ai repris des gobelets en carton pour ma résine. J'ai pris de l'eau. On y allait pour ça et un autre produit. Et voilà tout ce qu'on a déjà. Donc, voilà. J'ai fait le stock, hein, parce que... Là, en plus, en ce moment, j'ai des petites commandes de résine. Donc, il me faut plus de gobelets encore. Je bois mon petit coup de café. D'ailleurs, j'ai deux commandes là, qui sont en train de durcir. Et le deuxième produit pour lequel on y allait, donc là j'en ai pris deux parce que je suis tombée à court. Pourtant, il me semblait que la dernière fois j'en avais acheté trois d'un coup, mais je les trouve plus. C'est les gels intimes de chez Action. Voilà, si comme moi vous êtes un peu sensible du foufouillon et que vous avez facilement des gratouilles, je vous les conseille à 1000%. Franchement, pour le prix, c'est un format 400 ml, il est génial. Franchement, je préfère celui-là au Intima. Ou c'est lequel l'autre que j'aime pas. Il y a le Intima que j'aime pas. Et celui de chez Corinne de Femme. Je ne sais plus comment ce qu'il s'appelle, mais j'ai testé les deux et je les aime pas du tout. Là, j'ai pas de soucis. J'en ai profité tant qu'il y en avait pour reprendre deux fois mon masque pour les cheveux. Donc c'est le Intense Repair de chez This Is It. Format 300 ml, c'est mon masque pour les cheveux préféré depuis que je l'ai testé la première fois, première utilisation. Et j'adore celui-là. Après j'aime beaucoup aussi ceux à la citrouille, à la banane et tout ça, vous savez qu'ils font avec les packs quand ils font des senteurs un peu particulières comme ça. Il n'y en a pas eu de nouvelles cette année à part à la fraise que j'ai pas du tout aimé qui est sortie début d'année. J'ai trouvé deux bombes de peinture, bon c'est du mat mais après je peux rajouter du brillant dessus. Ah non, là c'est gloss le rouge et mat le vert, mais voilà, jusqu'à maintenant en coloré, il y a le noir, le blanc, le doré, le. Je vais les poser parce que. Le doré, l'argenté et tout ça. En coloré, j'avais trouvé que le rose pâle, comme ça, très beau rose d'ailleurs. Et là, il y avait des verts, des rouges. J'en ai pris une de chaque. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, hein, mais ça finira bien par arriver. J'ai repris un petit lot comme ça de petits rondins en bois. Là, j'ai pris surtout qu'ils sont à peu près tous à la même taille. Donc moi, j'avais fait la petite cabane juste ici avec. J'en avais utilisé deux, il m'en reste un. Je ne sais pas si j'ai utilisé bien. Enfin bref. Donc voilà, j'ai repris un truc comme ça. J'aime bien pour faire des petits
paysage ou mettre ma déco en fimo ou en résine dessus, c'est très utile. J'ai pris ceci. Alors, ce sont des flores protector. Vous savez que vous mettez normalement, c'est des feutrines que vous collez en dessous de vos pattes de chaise pour éviter que ça raye. Moi, je ne les ai pas pris du tout pour ça. Alors, il y a plusieurs tailles à l'intérieur, hein, on ne voit pas bien, mais à l'intérieur, il y a des plus grands aussi. Je ne les ai pas pris du tout pour ça. J'ai vu ça sur un TikTok, je crois. Un TikTok ou un réel, un truc du genre, quoi. La dame utilisait ça. Elle mettait des huiles essentielles par-dessus et elle collait ça à l'intérieur de sa poubelle pour éviter que ça pue. Vous voyez, ça sent la poubelle. Donc voilà, j'ai eu envie de tester. Donc j'ai acheté ça. Et pour terminer, j'ai trouvé les nouveaux masques de Neuillard de cette année. J'ai encore ceux de l'année dernière, puisque j'en avais acheté en 3 exemplaires, je crois. Donc vous avez d'abord le Relaxing Always Believe in Santa, le Papa Neuillard. Regardez comme le truc est trop beau. Vous avez Pingu. Pingu Jésus, le pauvre, on ne le voit plus. Baby, it's cold outside. Donc là, c'est un hydratant à la vanille. Ah oui, l'autre, c'est à la pomme granate. Ici, c'est à la vanille. C'est pas loin. C'est trop mignon. J'ai mon doigt dessus. Vous avez Bambi, enfin Rudolph. Hein, Christmas Magic is in the air. Deep cleansing au titri. Donc ça, j'aime pas trop utiliser le titri, mais bon... On fera avec, hein. Et I have a sweet Christmas refreshing mask au ginger, au gingembre. Regardez, c'est un petit biscuit. Trop contente. Donc voilà, ce qui conclut mon haul. Vous voyez qu'on n'a pas exagéré, mais bon, on en avait quand même pour 50 balles. Hein. Bon, après, il y a encore les trucs. Chérie a pris ses balistos, Sam ses Skittles, ses chips. Mais c'était rien de très important. Mais on y allait vraiment pour mes gobelets, mon gel intime, le masque pour les cheveux aussi, je suis bien contente d'en avoir retrouvé. Il y en a, ça fait 2-3 fois qu'on y allait et qu'il n'y en avait plus. Et les pochettes en plastique pour Georges, pour l'école. C'était vraiment le plus important. Et à chaque fois, on ressort de là avec un gros panier, enfin un gros sac. C'est un enfer ce magasin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si... la vidéo est correcte niveau son, image, cadrage et tout ça. Bon, le cadrage changera encore un peu puisque je vous dis, j'attends mon trépied. En fait, j'ai commandé un bras articulé. Voilà, comme ça, je pourrais tout faire d'un coup. Soit le mettre comme ça pour filmer, soit le mettre comme ça pour filmer mes DIY et tout ça. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me dire s'il y a des produits qui vous intéressent chez Action aussi. Si vous avez déjà aussi trouvé les masques de Noël. Et voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait vraiment plaisir. On commence enfin à monter un petit peu. Peut-être qu'on arrivera aux 5000 pour Noël, ça serait un superbe cadeau. Voilà. Et ben, du coup, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous.